Vous avez pas entendu. Est-ce que vous pouvez m'emmener à l'auto-école, Oui, s'il vous montez. plaît? Allez-y. Mais en plus qu'elle est trop belle la voiture. Tu l'as acheté combien celle-là? On me l'a pas acheté, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté. Ah, vous l'avez eu gratuitement? Oui, c'est un cadeau du premier patron du concessionnaire pour lui avoir sauvé la vie. Ah ouais. Eh bien. Franchement. Wow, alors Elle est je suis sympa, hein? Ah, de fou. Elle est même plus que sympa, elle est trop belle. Et excusez-moi, est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour que je puisse vous joindre? Oui, bien sûr. Je vous le donnerai après parce qu'on Je vous sort pas donnerai le après téléphone parce au que volant. je sors pas le téléphone au volant. D'accord. Je suis petit par rapport à vous. Vous êtes grand parce que j'ai mis des talons. Ah bah ça. J'ai pas des talons, j'ai des bottes. Ah. Ça vous fait grandir, je trouve. Ah, d'accord. Bizarre. Vous avez grillé la route, hein. Mais non, vous en faites pas, va. Bon, nous sommes arrivés. Du coup, je vais vous laisser passer votre code et votre permis. Je vous attends. D'accord. Oh. Quelle catastrophe ce truc. Alors. C'était là. Tant pis, on va faire sortir sur le parleur. Ça va être dégueulasse. On va le suivre en Twizy, on va rigoler un peu. Ah ouais, tu grilles les feux rouges comme ça, toi. Tu grilles les feux rouges, tranquille. Tu grilles les feux rouges. Non, pas encore. Je n'ai pas trouvé un qui fonctionne correctement. Non, la Twizy, elle dépassait 56. Ouais, mais après, quand tu vas faire l'autoroute, donc...
T'as dû appuyer sur l'imitateur de vitesse, je sais qu'il y en a, y a une touche qui fout le bordel depuis quelques jours. Bah moi je te le dis. Ah! J'ai cru que t'allais m'écraser. Ouais, fais gaffe au point. Là, tu vois, ça va être 100, 100, 120. Ça va, tranquille, un peu easy. Non, t'as grillé 3 feux rouges. Conduit en zigzag. Ouais, je te vois conduire en zigzag. Garde, tu fais zigzaguer même les citoyens. Tu changes de voie sans mettre de clignotant. Bah les clignotants normalement, je dis bien normalement. Tu roules en contresens. C'est bon, tu m'as doublé? Pas encore. Bah moi je suis sur le pont. Voilà. Ça se voit, j'aurais pu mettre la moto combo, mais je l'ai pas fait. La moto combo? C'est une petite moto toute pourrie là qui dépasse pas les 41 km/h. La Twizy elle dépasse les 50, ça... oui, mais je crois qu'elle va plus vite que ça. La Twizy elle va à 100 et quelques, hein. 180, je crois, quelque chose comme ça. Pas ton point. Non, parce que tu as dû appuyer sur la touche pour l'imitateur de vitesse. Et c'est Y ou un truc à la con. Ah! Je suis bloqué à 52 moi maintenant. Ouais. Oh merde, donc il y a vraiment un truc pour l'imitateur de vitesse. Oh la cata, c'est quoi pour l'annuler du coup? J'ai appuyé sur Y. Wow. Oups. Merde, c'est vrai, j'ai fermé le véhicule. Non, ça n'a pas marché non plus.
Oui, vous le réparez. Je sais que ça marche. Ouais, tu fais pas de faute pour les excès de vitesse. Bon, mais du coup, moi, je suis bloqué. Ouais, là, j'ai honte, là. Allez. C'est quelle touche, putain? Ah, merde. Je finirai par trouver, hein. Je finirai par trouver. Elle est où, ma voiture? Oui. Non mais ça va pas. Et monte. Oh, j'en peux plus. Faut que je répare vraiment le véhicule. Pas envie de rouler comme ça. Ah bah c'est ça du coup pour les... Oh, d'accord. D'accord, d'accord. J'ai compris quelque chose. Oui, les avions de chasse, ils ont un problème, certains. Ils sont obligés de les réparer quand ils décollent. Mais ça se trouve, c'est parce que c'est à cause de ce truc qui s'applique aussi sur les avions, du coup. Et du coup, ça comprendrait. Ouais. Nouvelle. Ouais. Fondateuse. C'est fondatrice, on dit. C'était un gars, mais comme je bossais, c'était moi qui bossais plus dessus que ce monsieur-là qui s'est permis de me manquer de respect et en plus de me voler donc du coup mes heures de travail, et j'ai refusé et je lui ai dit au revoir. Non, je l'ai pas banni. C'est lui qui veut parvenir. Je lui ai dit que plus jamais il aurait accès à la base de données parce que je sais très bien ce qu'il envisage de faire et ça lui a pas plu. Non, il veut juste faire sa copie et puis faire tranquille son truc à sa sauce de son côté, mais avec mes heures de boulot. Moi, je veux pas. Voilà. Ok, je viens de chercher. Où c'est qu'on va ? Ok. Mets le point. Ok. Ah bah ça y est, il fait déjà jour. Ouais. Oh, il a grillé un feu rouge, lui. Je suis pas en service, je m'en fiche. Hein? Je suis pas en service, donc je m'en fiche. Ah, quand on est pas en service, on a pas vraiment... Pas le droit. On est un citoyen quand on n'est pas en service. Quand on n'a pas notre tenue, on n'est pas en service, donc on ne peut pas se permettre d'intervenir ou quoi que ce soit. On n'est plus au travail.
Aïe aïe. Eh ben dis donc. Là on met en panne des véhicules. Hein. Oui. Comme je suis en CNRP, je n'interviendrai pas. Par contre, il faudra faire vite la CNRP parce que faut que j'aille manger après. Ah, ok. Ouais, j'ai la pâte à pizza qui a presque levé là. Il faut que je la prépare pour la mettre à cuire. Ah, t'as des enfants? Comment? T'as des enfants, toi? Le seul enfant que j'ai, c'est mon chat. Ah. Arrivé. Merci. Alors, je vais essayer de voir si je peux acheter un véhicule. Qui est là? Salut. Ça va et toi? Harley. Oui. Viens sur la radio de l'application de la ville. Oui, t'inquiète, j'y suis. Je t'écoute, hein, j'entends. Okay. T'as lu, Abdel. Ça va et toi? Oh, dis-moi ce que tu veux. Jeune homme. Ouais, tu veux quoi? Alors, hop là. T'attends pas de pouvoir t'offrir des bons véhicules, hein? La moins chère. Attends, je te dis ça. Hein? C'est pas moelleux, hein? C'est moelleux. C'est laquelle la voiture la moins chère, s'il vous plaît? Attendez, attendez. Ah, je crois qu'il y a un petit souci. Ah, si, c'est bon. La moins chère, à mon avis, ça doit être la Vous voulez pas un scooter? Vous voulez vraiment une voiture? Ok. Il y a la Blista. La Blista, elle est à 10 000. La Blista est à 10 000. La Blista est à 10 000. C'est une voiture, bah, tu... Dans l'application... Voilà. Blista. Blista. Non, c'est un véhicule. C'est un véhicule, c'est pas une moto. Ah, sinon j'ai la Panto qui a 3000. Si la Blista plaît pas, j'ai la Panto. Bah, tu l'as pas trouvé? Tu l'as pas trouvé? Blista. Elle y est. Hein. Oui, j'ai aussi la Panto, je t'ai dit. La Panto, elle a 3000. T'as pas du tout de sous? Ah bah, là, t'as la Panto que tu peux t'acheter à 3000. C'est une toute petite voiture. Et ben voilà. Bah moi, ça fait longtemps que je suis commissaire. Hein. Bah oui. Mais oui, j'ai un meilleur salaire. Non.
ma voiture. Hey, ma voiture. Il a cassé ma voiture. Je sais pas, je l'exprimais. Oui. Je t'écoute. Alors, attends. Nouveau contact. Alors. Je t'écoute pour le numéro. Alors, 827-5849. Non, laisse tomber, faut pas chercher. Ok, c'est bon, j'ai ton numéro. Voir dans une voiture. Où ça? Il est en train de conduire derrière, je vois rien. Eh ben oui, c'est un moldu, on s'en fout. Oui, mais c'est pas grave. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que bientôt il y aura les braquages. Hein. Maintenant, vu qu'on est assez en ouais. Ville, faut faire gaffe. Hein. Surtout si vous engagez seul, enfin ne vous engagez jamais seul dans un braquage. Toujours à deux. D'accord. Parce qu'il suffit qu'il y en a un sniper ou quoi et boum, vous finissez coma. Non, vous finissez coma à l'hôpital. Ok, ça marche. Oh là 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 là. Il faut attendre que je puisse faire ma pizza quand même. Sinon je vais mourir de faim. Et voilà. Bon, maintenant je vais entrer en mode modération. Ah, très bien. Je vais me TP à elle. Hop, tour de magie. Merci. Bon, je vais t'aider. C'est combien là? Il faudrait vraiment que j'apprenne à conduire, moi. Non, c'est bon, je vais pas te faire payer. Vas-y. Vas-y, ça part, merci. Part. Ouais. Ouais. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que si tu te fais ban trop souvent, après, ils peuvent bannir ton compte Discord. Bon, ça va. Ok. Bon, j'ai payé mes amendes. Ah ouais, j'ai roulé trop vite. Eh ben ouais, mais moi je suis un citoyen modèle, donc je paye mes amendes. Exactement. Si je te surprends pas en fonction, en train de griller un feu rouge ou quoi, t'inquiète pas, hein, moi je t'arrête direct. Bon allez, je quitte la ville. J'y retournerai après.